Allez, on va entrer dans le golf. Là-bas. L'entrée du golf. 3 ans qu'on attend ça, 3 ans. Là. Cool. Plus il y a. Après la tempête. Là, ça fait tout bizarre là, c'est tout calme maintenant. Ouais. Alors qu'à l'entrée, c'est, alors ça passe qu'à l'entrée, ça va sonner dur. Alors, regarde, quand même, hein. On a 9 nœuds de vent. On ouais. Est monté à combien? 17 nœuds? 18 ouais. Nœuds? Ouais. Bon, écoute. 23 nœuds, pardon, excusez-moi. 23 nœuds? 23 nœuds. Bon, moi je préfère comme ça. Hein. Ouais. Pour visiter, c'est mieux. Hein, quand même. Hein. Pour le sport, c'est ouais. Là-bas, il y a des bouées de mouillage. Dans la rivière Dorée. On va passer par le petit Vézir et après Grand Vézir. Et ça recommence à se couper. Grand Vézir, regardez-moi comme c'est beau. Il y a des couleurs extraordinaires. C'est le petit? T'es sûr que ça c'est pas le petit et ça c'est le grand? J'ai un doute. Je pense que c'est moi qui ai raison. Ouais. Ben en fait j'ai regardé un peu. T'es sûr? Très bien, autant pour moi. Ça n'empêche que ça reste quand même excessivement beau. Ce côté-là, j'aime beaucoup. On est bien content d'être là, c'est super beau ici. Moi j'adore. Donc là c'est les 7 îles. Face au golf, là, c'est splendide. C'est calme. Hein? Ouais. Ça fait du bien. Après la folie du Cruesti où ça n'arrêtait pas. Là, on va se mettre au vert. Hein. Thank you.
maison au volet bleu. Un beau manoir au fond. La rivière Lorée là-bas au fond, ça y est, je l'aperçois. C'est trop chouette. C'est trop beau. Joli bateau aussi, aussi hein. Celle-là, elle est jolie. Toilette, hein. Et bien voilà, c'est ça de fonctionner. Ah oui. C'est sauvage, hein. Si c'est lui, c'est super beau ici. Il y en a qui sont partis en. Qui laissent leur parc. Ouais. Ils sont partis en balade. Alors un petit mouillage à Port-Blanc pour la nuit. Sur la rivière Dorée. Et là, c'est vraiment. Enfin, nous, on l'adore. L'indomptable qui rentre à Auray. Franchement, on n'est pas bien là. Hein ? Ça te fait rire ? Comment ? On n'est pas bien là ? Ah bah écoute, je crois qu'on est pas mal. En effet, tout va bien. Ouais, super. C'est beau. C'est super. C'est allez, baignade. Idyllique. Baignade. Ouais, baignade. Coucou mon chéri. Que fais-tu? Ben là, je viens de pêcher un barbe
donc je rembobine la ligne. Alors, il est où? Un bobard, j'ai pêché. Un bobard, ah ouais, un très bobard. Il était gros, le bobard. Ah, c'était un bobard. Hein. Ah ouais, c'est un vrai bobard. Ouais, ouais, ouais. Ça. Ouais. Et donc là, t'en es où? Et ben là, je roule. Oui. Je roule. Là. Tu roules? Eh ben, je roule du fil, ouais. D'accord. Et c'est normal qu'il n'y ait pas de d'hameçon à ta ligne? Comment se fait-il? Hein? Comment se fait-il? D'accord. Donc il est 17h30. Pour ce soir, ça va être chaud. À quelle heure il fait nuit? Il fait nuit à 22h. Ah, ça va être chaud. Ouais. Bon. Mais tu c'est pas gagné. Écoute, hein. t'es un bon marin. T'es pas obligatoirement un bon pêcheur. Hein? C'est pas très grave hein, en même temps. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi que tu dis ça, mais j'ai quand même pris 3 macros. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est vrai. Quand on est pêcheur. C'est vrai, je t'accorde. Mais on va pas manger du. On va pas manger ça ce soir. On va pas manger des poissons, j'ai pas envie. Tu vois, je te facilite la tâche. Hein. C'est clair que là, si t'as pas envie, ça m'arrange. Ouais, ça t'arrange, hein. Ouais. Non, non, écoute, on va se débrouiller. Non, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Non, mais je sais. Un petit tour de bateau. Que c'est beau. Cette maison là dans la Pinède là, j'adore. Maison granit. On a vu des maisons aussi au toit de chaume. C'était sympa. Voilà, donc on va passer la nuit ici. Notre ange gardien. Là, il y a un petit sentier de randonnée. Là, on voit des gens passer. Bon, Franck, une heure après, ça donne quoi? Alors attends, mais vas-y. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Alors c'est quoi ton problème? Alors attends, ton problème, ça pourrait peut-être être ça. Oui. Je montre quand même. Hein. C'est un vrai gros problème, ça. C'est un vrai gros problème. Donc, avez aux amateurs, hein, s'il y a des vrais pêcheurs qui peuvent donner des conseils à mon chéri. Là, moi, je suis preneuse parce qu'il est quand même, comment dire? Emmêlé. Emmêlé, voilà. Il s'est pas emmêlé les pinceaux, mais il s'est emmêlé dans la canne à pêche. Hein. Donc, pas de poisson ce soir? Non, je suis meilleur à la traîne. La traîne, ça va. Oui, la traîne, ça va. Mais là, comme ça, c'est pas bon. Non, là, non, ouais. C'est des gros problèmes, des grosses lacunes, là. Ouais. Je pense que c'est le matériel qui est pourri. Ouais, c'est ça. C'est à cause de la canne à pêche. Bah, elle est pas bonne. Quoi d'autre, ouais. Franchement. Ouais, exactement. Bon, bah, très bien. Bon, et bah. Une petite soupe ce soir. Une petite soupe, Allez, bah bon courage, je te laisse te dépatouiller tout oui, ça. C'est bon. Hein, c'est bon.